Jean Montana, Didier Cuche. L'accueil de vos supporters fait toujours chaud au cœur. C'est juste magnifique. Merci à vous tous. Bien, on a entendu tout à l'heure, lorsque vous arriviez, le commentaire de Fabrice Jatton sur votre victoire à Adelboden en 2002. Ça a été, vous le dites souvent, une des plus belles dans votre carrière. Ouais, la situation était vraiment spéciale. C'est la première fois que je partais dans le top 7. Et j'arrive en première manche avec une seconde 26 d'avance sur tout le monde et j'étais le premier surpris d'être si rapide que ça. J'arrive à confirmer en deuxième manche et à la maison une première victoire en géant. C'était juste incroyable. Et alors Didier, on va revenir là au Swiss Awards, puisque vous allez recevoir concrètement votre prix aujourd'hui. Vous êtes sportif de l'année, vous êtes le Suisse le plus apprécié de l'année. Le Suisse de l'année. Et c'est un sportif et c'est Didier Cuche. Et ça aussi, c'est une marque de reconnaissance qui vous a beaucoup marqué. Voilà, ça c'est justement un prix qu'on ne peut pas gagner contre un chrono. On doit gagner le cœur du public. Là, il me leur donne au centuple ce que je peux ressentir sur une piste en me dédiant un prix comme celui-là. Merci. Et parfois sur la piste, ils ne vous entendent pas, alors ce soir, ils vont vous entendre. Ja, wenn ich auf Schweizerdeutsch, wenn jetzt gerade noch einen Kommentar gehört von 2002, der Sieg in Adelboden, 10 Jahre später hier der grosse Erfolg, gestern, wunderbar. Ja, es ist der erste Sieg in der Schweiz, im Riesenslalom sogar, und es war wirklich speziell gewesen, mit dem Vorsprung auch noch. Es hat die ganze Sache sehr speziell gemacht. Zum 10. Mal ist der Preis Schweizer des Jahres vergeben worden. Es ist zum 5. Mal ein Sportler gewählt worden. Der Roger Federer ist einer von deinen Vorgängern. Dann der Peter Sauber, der Köbi Kuhn, der Ex-Nationaltrainer.